Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 astuces importantes de la saisie, à savoir à l'Excel pour les débutants. La première astuce, c'est comment agrandir les colonnes lorsque nous avons des longues saisies au-dedans. Par exemple, ici, nous avons, si je clique dans la cellule B2, vous remarquerez que dans cette cellule, j'ai écrit « République démocratique du Congo ». Et quand je clique sur la cellule C2, j'écris « République populaire du Congo ». Et quand je suis ici, il n'y a pas de problème, c'est l'Angola. Et lorsque je vais dans cette cellule E2, c'est « République centrafricaine ». Et dans l'autre cellule, c'est « Rwanda », l'autre cellule « Ouganda », l'autre cellule « Burundi », l'autre cellule « Zambie ». Alors, la question qu'on se pose. Si je viens ici, je peux toutefois faire ça. Et voilà, j'ouvre moi-même avec la méthode d'ouvrir les colonnes. Mais il y a une méthode très simple et plus pratique que vous pouvez toutefois utiliser lorsqu'il s'agit d'agrandir vos colonnes instantanément. C'est-à-dire à un seul clic, toutes les colonnes s'arrangent de soi et vous donnent la capacité à lire toutes les informations qui se trouvent au-dedans de votre classeur. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait pour agrandir les colonnes? Par exemple, celui de la RD Congo, République populaire du Congo et République centrafricaine, ce sont les cellules dont les données ne se voient plus. Il suffit de venir sélectionner toute la feuille. Et je viens ici, vous connaissez déjà, je clique une fois et je sélectionne toute la feuille. Au cas contraire, j'applique les raccourcis ou sinon la combinaison au clavier, CTRL+A, que vous connaissez très bien. De lorsque je fais ça, je sélectionne toute la feuille. Tout dépend de vous et tout dépend de ce que vous allez utiliser. Mais ce qui est plus important, c'est lorsque je fais la sélection, je viens sur n'importe quel séparateur de colonne. Vous voyez, je suis ici entre B et C, je viens au séparateur. Entre C et 2, je viens au séparateur. Entre 2 et E, je peux être partout. Et lorsque je suis ici, je double-clique sur la colonne et automatiquement, il m'affiche toutes les informations dans l'air cellules respectives. Voilà un peu l'importance de cette astuce très importante et enrichissant, pouvant vous permettre à bien travailler dans vos applications et vos feuilles Excel. La deuxième astuce, c'est comment renvoyer à la ligne le contenu qui dépasse. Par exemple, j'écris République de la Chine. Alors, j'ai ces mots ici, vous voyez. Donc, la phrase se trouve dans la cellule B3, cependant, il y a une partie qui, parce qu'en soi, il n'est pas du tout complet. Hein? La colonne n'est pas si grande pour que toute la quantité de mots puisse se mettre dans cette cellule. Alors, la question qu'on se pose, comment ramener cette contenu de texte dans la même cellule? Alors, c'est très simple. Il suffit de sélectionner la cellule où se trouve le texte à vouloir ramener dans la même cellule et venir cliquer ici. Vous voyez, on nous dit ici, c'est renvoyer à la ligne automatiquement. Dès lorsque je clique une fois, vous voyez, et toutes les données se mettent à la même cellule. Et voilà tout ce qu'on peut retenir. Il suffit d'aller sélectionner et puis venir cliquer sur « Renvoyer à la ligne automatiquement ». La troisième astuce que nous sommes appelés à connaître, c'est comment créer des progressions numériques. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans un classeur Excel et que nous sommes dans une feuille, nous voulons que nous puissions juste, par exemple, mettre le numéro automatique en quelque sorte ou d'une colonne parce que nous sommes appelés à travailler sur un ou sinon une liste quelconque. Alors, lorsque je viens au niveau des 1, j'écris par exemple 1 et que je descends sur le poignet des recopies. Et quand je fais ça, vous allez voir que la progression me donnera que des 1, 1, 1, 1, 1. Et ce qui n'est pas du tout ce que je désire, c'est que je puisse écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au-delà. Alors, nous avons deux méthodes spécifiques pour faire ça. La première méthode, il suffit d'écrire une seule ou un seul chiffre, par exemple 1. Alors, pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL
de votre clavier et de venir sur votre touche, votre poignée de recopie et faire une descente. Vous voyez ? Et lorsque je pars comme ça là, et j'ai toute ma liste progressive. Et voilà comment on peut toutefois arriver à faire ceci. Ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire cliquer sur les chiffres en question, par exemple 1, et appuyer sur la touche CTRL, qui va faire un mouvement de double plisse, vous les remarquez peut-être, et puis vous faites votre progression logique. Voilà un peu comment on fait cela. Ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode la plus simple. Il suffit d'écrire les deux premières lettres, ou sinon deux premiers chiffres, pour que cette progression puisse se concrétiser. Par exemple, j'écris 1 et puis j'écris 2. Alors, le problème réside au niveau de la sélection. Beaucoup de fois, des étudiants font une erreur seulement de sélectionner un seul chiffre, et c'est faux. Il suffit, pour accomplir cette tâche, de faire une sélection de double chiffre, vous voyez. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Excel retient? Il retient juste une chose, la philosophie de l'intervalle. C'est comme si dans ces deux chiffres, nous avons dit à Excel, dès lorsque j'écris 1, ce qui va suivre 2. Donc l'intervalle entre 1 et 2 est de 1 chiffre. Donc il va mémoriser ça et me donner la suite en tenant compte de cet intervalle, de un seul chiffre. Et de la même manière, vous voyez ici, nous avons 1 et ici, nous avons 3. Alors, si je sélectionne 1 et 3, il sait désormais c'est que si celui-ci qui a saisi 1 et puis il a saisi 3, donc l'intervalle qui les sépare est de 2, vous voyez. Et de lorsque vous allez continuer à faire la progression, il tiendra compte de cet intervalle de 2, vous voyez. Et si j'arrive ici, constater la chose, c'est que nous avons 1, nous avons 3, nous avons 5, nous avons 7, nous avons 9. Et voilà, tu peux toutefois mettre aussi l'intervalle de 1 et 4 comme vous voulez. Donc, c'est quelque chose de très important et plus utilisé lorsque nous sommes dans Microsoft Excel. La cinquième astuce, c'est presque la même ou sinon le même astuce avec le numérique, mais ici, ce sont des progressions alphabétiques, vous voyez. C'est-à-dire, ce ne sont plus des digitales comme des 1, 2, 3, des chiffres, mais plutôt des lettres. Comment faire la progression des lettres? Et Excel nous donne quelques possibilités. Par exemple, on peut faire une progression des jours de la semaine, vous voyez. Et par exemple, j'écris lundi. Et dès lorsque j'écris lundi, vous voyez, je n'ai plus besoin d'aller écrire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il suffit tout simplement d'être sur le lundi et faire la progression au niveau du poignet des recopies. Et lorsque je clique sur mon petit point ici, je presse la souris et je descends et voilà. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'autres choses. Et cette progression peut se faire de façon verticale et tout comme de façon horizontale. Voilà tout ce qu'on peut retenir par rapport à la progression alphabétique, c'est-à-dire de lettres, vous voyez. Donc c'est un peu comme ça. Alors, non seulement on peut faire des progressions de jours de la semaine, nous pouvons encore faire des progressions de mois de l'année, vous voyez. Ici, j'écris janvier. Et lorsque j'écris janvier, je peux venir comme d'habitude au niveau de mon poignet de recopies et progresser jusqu'à décembre. Ok, vous pouvez toutefois faire ça et ça sera un bon exercice pour vous. Et lorsque je suis en janvier, je peux le faire aussi de façon horizontale et arriver jusque là où je désire arriver. Alors, du coup, dans un seul clic, disons, j'ai tous les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, le problème ne s'arrête pas que là. Ça, ce sont des progressions, on dirait, mémorisables déjà. Quelqu'un peut se dire, bon, moi, je vais créer moi-même ma propre progression. Eh bien, Microsoft Excel nous donne cette possibilité-là. Et que toi-même aussi, tu crées ta propre
progression. Par exemple, ici, l'exemple est liste de quelques villes du Congo central. Par exemple, Matadi, Boma, Banzangungu, Kisantu, Kimpese, Mwanda et Tchela. Alors, dans toutes les villes, et que je sais que j'en travaille beaucoup, et que je suis quelqu'un qui utilise plus la machine et je fais plus de choses par rapport à cette liste, ici, je peux me dire, au lieu d'en saisir de temps en temps, je crée une liste telle que vous avez vu au jour de la semaine et même au niveau de mois de l'année. Alors, pour ce faire, il suffit de venir au fichier. Vous voyez, je suis sur fichier, je clique fichier et puis je descends jusqu'à option. Retenez très bien, on est ici à l'option. Et je clique sur option. Et puis ici, j'ai la boîte de dialogue option Excel. Alors, dans cette boîte de dialogue option Excel, nous sommes appelés à cliquer sur option avancée. Regarde-moi ici. Donc, vous descendez, formule, vérification, enregistrement, langue, jusqu'à option avancée. Vous cliquez sur l'option avancée et puis vous venez ici, vous descendez, ok? Nous sommes dans l'option avancée, on descend jusqu'à trouver général, ok? Vous descendez encore et jusqu'ici, et voilà. Et ici, on vous dit, à côté, nous avons option web. Et ici, on vous dit « Modifier les listes personnalisées ». C'est ici où vous devez cliquer. Et lorsque je clique ici, et voilà, j'ai la boîte de dialogue des listes personnalisées. Vous vous souviendrez que tout ce que nous avons fait, ça se trouve ici. Vous voyez, les jours de la semaine sont là, en version longue et en version courte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et nous avons janvier, février jusqu'à décembre. Alors, par exemple, j'avais déjà mis une liste ici, les territoires du bas-fleuve. Donc, il y a Sekebanza, Lukula et Tchela. Et ça, ce sont juste des exemples. Alors, toi aussi, tu peux ajouter une liste. OK? Tu viens ici, tu cliques, ajouter une liste. Et puis, ce qui est là-bas, vous les effacez. Et puis, tu commences à insérer tes liste personnalisée. Par exemple, par rapport à ces cas d'espèce, j'écris Matadi, vous voyez, je fais Enter, j'écris Boma, Mbanza, Ngungu, et je fais Enter, j'écris Kisantu, j'écris par exemple, j'ajoute Kimpese, par exemple, Tchela. Ma liste sera composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est quelques villes du Congo central. Alors, je viens ici, je dis ajouter. Je clique une fois et le voilà qui s'ajoute de ce côté ici. À telle enseigne, de lorsque je serai dans mon classeur Excel et dans une feuille, il suffit d'écrire tout simplement, par exemple, Matadi. Et je viens au poignet de recopie, il va tout me donner. OK? Et nous sommes appelés à fermer ceci et retourner et puis fermer encore là-bas. Et puis retourner dans notre classeur. OK? Alors, je viens ici, juste l'exemple. J'écris Matadi. Et dès lorsque j'écris Matadi et que je viens ici, au niveau de mon poignet de recopie, quand je presse comme ça, je descends, vous voyez. Donc, j'ai toutes les villes que je viens de créer. À tout moment, je vais commencer à les insérer automatiquement. La sixième astuce, c'est comment mettre un zéro devant un chiffre. Alors, beaucoup de personnes dans l'Excel ont du mal à mettre un zéro ici au devant, ou sinon au devant des D, des 3, des 4, des 5, des 6, jusqu'à 9. Et peut-être qu'ils veulent que leur colonne puisse être harmonisée en termes de deux chiffres. Vous voyez? Et par exemple, 10 a des chiffres, et là-bas, je vais remettre 01, 02, 03, 04, 05, 06, jusqu'à 09. Alors, nous avons un petit problème là-dessus pour la plupart des personnes parce que Excel en soi ne conserve pas les zéros au devant, vous voyez. Et même quand on venait au niveau de la barre de titre, il n'y a que 1. Quand on venait ici, il n'y a que 5. Et quand vous êtes là, c'est 10. Et l'Excel ne garde pas les zéros au devant. Alors, pour vouloir chercher à garder ces zéros au devant et que ceci ne puisse pas influer votre
présentation de documents ou sinon de votre classeur ou de votre feuille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de sélectionner la partie que vous avez besoin que cela puisse avoir des zéros. Vous voyez, tel que je le fais là-bas, je vais mettre des zéros de 1 à 9. Je viens au niveau d'ici, vous voyez, format des nombres, je clique. Et lorsque je clique dans le format des nombres, ceci m'affiche une boîte de dialogue format des cellules. OK? Et je choisis jusqu'en bas ici. Je laisse toutes les catégories jusqu'à personnaliser. Je clique sur personnaliser et puis j'ai plusieurs types, vous voyez, qui se présentent ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est venir au niveau des standards qui est sélectionné et j'entre dans les types là-bas et j'enlève tout ça. OK? Je laisse vide, j'écris 1-0. OK? Et ensuite, je fais Alt plus 3 pour avoir les dièses. Automatiquement, il me donne 1-0 au devant. OK? Et lorsque j'ai ces configurations d'exemple, donc la formulation, c'est enlever les standards et puis mettre 0 suivi des dièses. Ça va? Et pour avoir les dièses, c'est Alt-GR à droite de votre barre d'espacement du clavier et puis faire plus 3. 3 du pavé alphanumérique et non pas les 3 du pavé numérique. Et puis vous cliquez sur OK. Et lorsque je fais comme ça, vous voyez, il y a une bonne présentation dans la visibilité de ce que je vais. À ce moment ici, ce zéro ne sera pas vu dans la barre des titres, mais il sera vu dans le travail. Donc, c'est juste un zéro de la présentation, mais qui ne joue aucun rôle dans les calculs. Alors, comment mettre un zéro au devant de notre numéro de téléphone? Parce que Excel en soi, tel que je vous ai dit, il ne garde pas les zéros au devant. Et tout le monde aimerait mettre un zéro au devant de son numéro de téléphone pour avoir une présentation normale et logique. Par exemple, 085 57 42 980. Mais ici, je n'ai que 0, directement 85, 57. Et moi, je vais mettre ces zéros de devant. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le numéro de téléphone en question. Et puis, nous retournons au niveau des nombres. Je clique sur la petite vignette ici. Et voilà, j'ai ma boîte de dialogue. Je viens cette fois-ci non sur personnaliser. Je viens sur spécial. Dès lorsque je clique sur spécial, et je choisis numéro de téléphone. Dès lorsque je clique sur téléphone, il me donne directement une bonne présentation. Et je me dis que voilà ce que j'ai besoin. Et puis, je clique sur OK. Et voilà. Donc, nous avons un autre zéro qui est confirmé au devant. Et nous pouvons travailler calmement avec toute la joie. Alors, nous avons ici code postal. Vous savez, le code postal, c'est en termes de pays, et voilà, patati patata. Par exemple, le code postal de la RDC, c'est 00243. Alors, remarquez une chose, dès lorsque je fais ça, il va enlever les zéros. Et dès lorsque les zéros ne sont pas là, c'est comme si ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Alors, je viens ici, je vais mettre ces deux zéros au devant, je sélectionne. Et puis, je retourne au nombre. Je clique comme d'habitude au même endroit. Je viens sur spécial. Et puis, je clique sur code postal. Et voilà l'exemple qui est déjà favorable. Et puis, je clique sur OK. La sixième astuce est celle-ci. Comment mettre un plus ou un moins devant un texte? Alors, remarquez une chose. Nous avons ici deux petites phrases. Plus de 100 personnes. Moins de 1 000 $, moins de 100 personnes. Alors, on vous dit, pour que ça soit plus explicite, mettez les signes plus au devant de ces 100 personnes. Par exemple, on écrit plus de 100, plus de 200, plus de 200, plus de 200 personnes. Et voilà. Et puis, la logique devait être celui-ci ou celle-ci.
Dès lors, je clique Enter, mon plus reste et puis la phrase reste. Mais qui n'est pas le cas, regarde ce qu'il va donner. Vous voyez, quand on fait Enter, il m'affiche dièse non. Donc, ce que j'ai saisi ne correspond pas par rapport aux attentes de l'Excel. Alors, comment remédier cette situation? C'est très simple. Si vous voulez mettre un plus au devant de ce que vous avez saisi, il suffit tout simplement de commencer cette écriture par l'apostrophe. Personne. Et dès lors que je clique, celui-ci se maintient à la place. OK? Alors, pourquoi celui-ci s'est maintenu à la place? C'est parce que j'ai précédé dans la barre de formule notre apostrophe avant le plus. Et de la même manière, je peux écrire directement déjà apostrophe, je mets moins de 1 000 $. Et de lorsque je clique, nous avons moins de 1 000 $. Et notre point, c'est ici, moins de 100 personnes. Alors, je me dis, bon, je vais écrire moins de 100 personnes. Je fais ça. Et quand je viens directement des 100 personnes, souvenez-vous qu'il y aura déjà une erreur, mais cette erreur, elle est plus flagrante d'ailleurs par rapport à l'autre. Vous voyez, quand je fais Enter, il me donne ces messages. Vous voyez, Excel, nous avons rencontré une erreur dans cette formule. Et pourtant, moi, je n'ai pas besoin de la formule, j'ai besoin tout simplement de saisir. Alors, quand lorsque vous prenez OK, il ne va pas modifier. Mais quand vous serez dans la cellule suivante par Enter, il ne marchera pas. Et même quand vous voulez passer par la tabulation, il ne marchera pas. Et même quand vous voulez passer par les touches de direction, il ne marchera pas. Et vous serez contraint soit de cliquer avec la souris sur une autre cellule. Et dès lorsque vous le faites, automatiquement, vous l'avez perdu. OK? Donc, cela ne marche pas. Et c'est dû tout simplement à cette approche de signe plus ou moins à côté de chiffres. OK? Alors, pour ce faire, c'est la même formule. Je commence par l'apostrophe. J'écris par exemple moins de 100 personnes. Et puis, je fais Enter et les choses se clarifient de soi-même. L'astuce suivante, comment mettre les unités lorsque vous faites la saisie dans l'Excel? Les unités comptent davantage. Mais il y a un piège dans les unités, c'est lorsqu'on fait les calculs. Lorsqu'on fait les calculs dans l'Excel, les calculs retiennent tout simplement des valeurs numériques. Ça, c'est un principe à retenir. Quand, par exemple, je fais 100 kilos, et ici multiplié par 10 francs, ça me donne combien? Regarde ce qu'il va donner. Je fais ça. Multiplié par ça, et puis, et voilà. Je ne peux pas avoir la valeur. La raison est la suivante. Dans la cellule C14, il y a eu deux types de données. Voilà. Nous avons et les numériques et les alphanumériques. Nous avons des numériques 100 et l'alphanumérique comme alphabet qui est kilogramme. Et automatiquement, ceci ne se marie pas avec les numériques pour trouver la réponse. Alors, vous voulez travailler sur Excel sur un point important et que vous avez besoin les unités-là soient manifestes dans votre travail. Alors, comment les faire? C'est ça la question. C'est très simple à faire dans l'Excel et parce que c'est pour cela que nous sommes en train de faire ces cours dans notre site www.dinil au pro. Donc, de vous faire quitter le niveau nil et de vous amener dans la connaissance maximale. Alors, nous voulons mettre 200 kg. Et par exemple, ici, nous voulons mettre 500 kg. Ici, nous voulons mettre 50 kg. Et ainsi de suite. Alors, je viens ici, ou sinon, alors, je sélectionne toute la colonne où j'ai des valeurs à mettre les unités, je viens toujours en nombre, je clique sur cette fameuse boîte de dialogue que vous connaissez déjà, je viens au niveau de personnaliser. Alors, ici, les choses changent. Retenez très bien ce que nous voulons faire.
Dès lorsqu'on est sur standard, parce que c'est standard qui est sélectionné, c'est pas ça, et c'est, je suis sur standard, nous venons ici, type, et on clique sur standard, et on fait un espacement, un seul espacement, et on met des guillemets. Vous voyez, je clique sur 3. Et je mets l'unité en question, kg comme kilogramme, et je ferme les guillemets. Vous voyez, automatiquement, j'ai l'exemple ici qui me dit 200 kg. Alors, le principe, c'est quoi? Soyez sur la fin des standards, mettez un espacement et mettez les, et ouvrez les guillemets sur la touche 3 du clavier alpha, et dans le pavé alpha numérique, et mettez l'unité et puis fermez. Ne laissez pas comme ça, ça ne marchera pas du tout, mais c'est mieux de fermer. Et de lorsque vous fermez les kilogrammes, et puis vous mettez OK, et voilà. Donc, toute la liste est ici, la partie aura 200 kg, 500 kg, ainsi de suite. Et ceci va vous permettre à bien travailler. Et nous revenons dans l'exemple suivant. Et par exemple, nous mettons 200 unités. Vous voyez, c'est U ici. Par exemple, nous voulons conserver. Je vais voir ces I, mais alors que la colonne puisse participer même dans les calculs. Alors, à ce moment ici, si par exemple, je mettais 50 kg fois 200 et que je vais donner la réponse de ces deux éléments ici, j'aurai une bonne réponse, par exemple, égale 50 kg multiplié par 200. Ça peut être monnaie, les monnaies, et puis j'aurai la réponse. Alors, parce que ça me donne 10 000 kg, je sais où aller, je viens ici, et puis je vais là-bas, et puis je viens, je fais quoi? J'enlève les K et puis, bon, je ferme comme ça et j'ai le montant convenable. Et ici, nous voulons mettre 200 unités, tel que vous le voyez, par exemple, ici, nous avons 100 unités, ici, nous avons 50 unités, ici, nous avons 10 unités, ici, nous avons 20 unités et puis 10 unités et voilà. Alors, le problème, c'est que si je laisse comme ça, ce chat n'aura pas l'accès dans les calculs. Je vais sélectionner les tout. Je me dis, je dois mettre unité. Je viens ici. C'est le même principe, personnalisé. Nous sommes au niveau des standards. Je fais un espace. Je fais ça. J'ouvre les guillemets. Je mets les grands U. Si seulement je vais seulement abréger. Et puis, je fais comme ça. Et voilà. Et nous avons 2000 unités, ainsi de suite. Donc, ceci n'influence pas les calculs. Vous pouvez toutefois utiliser ces champs, ces colonnes dans vos calculs. La même chose ici, avec par exemple, je vais mettre 20 litres. Donc, nous sommes là en train de faire la gestion des carburants. Je viens ici, personnaliser, standard. Je fais un espacement, c'est le même principe, et puis j'écris litre, litre, voilà. Et puis je ferme les guillemets, et je vois ça là-bas, et alors j'ai oublié de mettre les i, et je mets les i, et voilà. Quand je fais ça, nous avons 20 litres, ainsi de suite. Le nombre d'habitants, les kilomètres, les hectares, et même le franc congolais, si vous le voulez bien, mettre votre unité monétaire derrière, ok? Le montant. En termes de visibilité dans vos colonnes, ça peut toutefois être une très, très, très bonne chose. L'astuce suivante, comment mettre des séparateurs de milliers? C'est aussi très simple. Et par exemple, ici, Excel ne nous donne pas directement les séparateurs si nous ne les demandons pas. Alors, l'erreur que beaucoup commettent, c'est d'écrire comme ça. Il veut écrire 10 000, il écrit comme ça, il fait un espacement. Vous voyez? Quand il fait comme ça, l'Excel voit ce vide comme s'il y a quelque chose. Et ceci ne peut pas entrer dans les calculs. Alors, si tu veux que ça entre dans les calculs, il faut l'écrire collé, collé comme ça. Et vous écrivez 10 000 comme ça là. À ce moment-là, ceci peut entrer dans les calculs. Alors, nous voulons mettre des séparateurs de milliers. Je viens ici, dans ces montants. Je me dis, bon, je vais mettre des séparateurs de milliers. Je viens ici, toujours au nombre. Je viens là-bas et puis j'ai choisi nombre. Vous voyez, deuxième catégorie, nombre. Je viens cliquer ici, utiliser les séparateurs de milliers. Je clique
automatiquement, j'ai cette présentation. Et ici, il me dit avec les nombres des décimales, double zéro après. Je dis non, moi je ne veux pas ces deux zéros. J'enlève ça, je clique jusqu'à zéro et voilà qui me donne une nouvelle configuration que j'ai besoin. Je clique et voilà. Je peux toutefois sélectionner ceci au niveau de notre reproduction de la mise en forme et puis venir mettre aussi ici et puis l'amener par-ci, par-là où nous sommes. Et voilà, donc ici, j'ouvre un peu et puis j'ai 1 million. Je crois que quelqu'un a compris comment on fait les choses et si réellement vous les voulez ainsi. Donc, le séparateur de millet est très important. N'allez pas avec votre main et que vous puissiez le faire par vous-même. Ça sera une grosse erreur. Laisse Excel agir et faire tout ce dont vous avez besoin. L'astuce suivante, comment mettre des exposants? Par exemple, nous avons dans cette feuille distance, superficie, quantité d'eau fournie. 35 km², 300 km², 500 km, 500 mètres cubes. Alors, ton problème, c'est, je augmente le zoom, toi tu aimerais que ce petit D ici, puisse être au-dessus. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'être dans la cellule, appuyer F2 pour entrer, pour modifier la sélection. Je sélectionne le petit D en question. Je viens au niveau de la police. Je vais au niveau de la police. Et comprenez bien, paramètres de police. Et puis je clique. Et de lorsque je suis là-bas, je vais cliquer sur exposant. Je fais ça. Et automatiquement, ici, dans la persi, ça monte. Et puis je clique OK. Vous voyez? Et mon petit D va être au-dessus. Donc, utilisez-en pour tous vos travaux. Ici, encore la même chose. Je double-clique. Je vais sélectionner le petit 2, je pars au niveau des polices, et puis je viens exposant, et puis je clique OK. Et également ici, je vais au niveau de ce petit 3, je sélectionne, je vais au niveau de la police, et puis je mets exposant, et puis je mets OK. Voilà. Donc, ça peut toutefois vous être utile dans toutes vos applications. L'astuce suivante et même la dernière, c'est comment mettre des unités monétaires. Vous voyez ici, j'ai 50 000 FC francs congolais. Ici, j'ai 20 dollars. Et ici, j'ai 500 euros. Alors, regarde, quand je clique ici, 50 000 francs congolais, tout s'affiche dans la barre des formules. Quand je clique ici, le 20 dollars de l'ensemble se monte dans la barre des formules. Tandis que lorsque je clique ici, je ne vois plus toute la partie suivante, je ne vois que 500. Ceci veut dire quoi? C'est la seule cellule qui est susceptible d'entrer dans les calculs. Pourquoi? Elle a respecté les normes. Ça, si vous osez, par exemple, 200 fois D, et ça nous donne combien? 20 dollars. Ici, je mets par exemple égal, je clique ça, et puis multiplier. Multiplié par ces deux, et puis quand je clique, j'aurai une erreur. Vous voyez? D'où vient l'erreur? C'est parce que j'ai mis ces symboles monétaires. Alors, la question qui se pose, comment le faire avec les symboles monétaires, mais que ceci soit favorable dans les calculs? C'est très simple à faire. Il suffit tout simplement de retenir la procédure. Alors, nous voulons mettre ça par nous-mêmes de manière concrète. J'enlève d'abord le S là, je reste avec le 20. Et quand je suis ici, je viens toujours, je retourne au niveau de nombres. Vous voyez, je peux cliquer là-bas. Et puis, j'ai choisi monétaire. Vous voyez, dès lorsque j'ai choisi monétaire, et si je vais par exemple mettre les dollars américains, c'est à moi de descendre et de choisir dollars américains. Je clique là-bas et c'est celui-là qui va se mettre là-bas. Et avec quelle implication les dollars se mettent toujours au devant. Son symbole est au devant. Il ne sera pas derrière. Et puis, si je ne veux pas des décimaux, j'enlève les décimaux et j'ai 20 dollars. Et quand je clique OK, et les voilà. À ce moment, quand je clique ici, vous constaterez une chose. Il n'y a pas de symbole de dollars. Il n'y a que 20.
également comme ici. Mais par exemple, ici, il n'y en a pas. Alors, je me dis, bon, je vais aussi mettre des francs congolais à ma manière. Alors, je viens ici, je vais monétaire, j'entre la liste, parce que tout ce que l'Excel admet, c'est ce qui est dans cette liste ici. Je cherche, je ne trouve pas le franc congolais. Alors, pourquoi il n'y a pas de francs congolais? En tout cas, je ne sais pas, mais néanmoins, il n'y a pas de francs congolais. Alors, comment faire entrer? Parce que comme ça, là, quand tu vois les FC là-bas, c'est que la cellule ne peut même pas oser entrer dans le travail, dans les lignes de calcul. Alors, je me dis moi-même, je vais faire entrer, ou sinon personnaliser, l'entrée de cette unité monétaire par moi-même. Je vais le faire et c'est ce que je désire. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Je ne veux pas les dollars, je ne veux pas les euros, mais je veux l'unité monétaire de mon pays, par exemple, pour des pays dont ceci ne se trouve pas dans la liste. Alors, pour ce faire, il suffit tout simplement de venir au niveau du menu démarrer. Nous sommes dans Windows 10, donc, nous travaillons. Et il suffit tout simplement d'aller au niveau des paramètres. Et voilà, je suis au niveau des paramètres. Il suffit tout simplement de venir au niveau des R et langue, en bas, voix, région, date. Je clique une fois. Et il suffit tout simplement de ne plus regarder tout ça et d'aller ici au niveau des paramètres des dates R et régionaux supplémentaires. Vous cliquez une fois. Et de lorsque nous sommes ici, vous venez cliquer sur le logo région et sur modifier le format des dates R et de nombre. Vous cliquez une fois encore. Et de lorsque ceci vous affiche la boîte de dialogue région, n'allez pas au niveau de localisation ni administration. Venez ici, paramètres supplémentaires. Vous cliquez une fois et ceci va vous donner toutes les amples choses que vous avez besoin, les décimaux, ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est symbole monétaire. Je clique sur le symbole monétaire. Alors, je viens ici sur le symbole monétaire. J'enlève le symbole du euro et je mets le FC. Voilà, qui veut dire franc congolais. Je clique OK et qui se maintiendra là-bas. Et puis, je clique OK ici. Et puis, je viens fermer ici. Et puis, je viens même fermer la configuration. Et puis, je retourne dans mon travail et je me dis, je vais voir l'unité que je vais insérer. Je viens au niveau du nombre, donc, et de lorsque je suis là-bas, monétaire, automatiquement, et voilà, j'ai 50 000 francs congolais et qui est maintenant inséré dans la liste. Vous voyez? Donc, maintenant, il est là, héros, et puis les francs congolais. Et pourquoi il se met au devant? Parce que c'est la dernière mise à jour qu'on vient de faire. Et puis je clique OK et automatiquement j'aurai le montant. Alors vous comprendrez à ce moment-là, cette cellule peut entrer dans les calculs dans le sens que nous avons 50 000 bien arrangés, mais ici il n'y a pas de FC. OK? Et à ce moment-là, il est égal à celui-ci, il est égal à celui-ci. Voilà. Celui-ci aussi a pris le franc congolais. Et voilà. Donc, vous pouvez toutefois utiliser cette méthode pour faire mieux dans tous vos travaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, likez et surtout, dites-nous quelle est l'astuce qui vous a plu par rapport à ce dont vous avez besoin d'accomplir. Et ça va toutefois nous motiver pour progresser pour tant d'autres choses qu'on doit faire dans Microsoft Excel.